Parfait. Ok, il y a des bonnes pioches, parfait, les pioches. Ouais, faut le payer trop et trop, faut respecter. Ouais, c'est des bons pioches. C'est des bons coffres, ça, c'est vraiment. Comme ça marche, théoriquement, voilà. Bon, il y a eu trop, il y a des livres trop. Ouais, j'ai trop de livres trop, là. C'est Ketiat, on se reprend pour une petite intro sur Vulcaria. Je vais vous parler de 2-3 choses assez importantes. Premièrement, le serveur a ouvert depuis quand même bientôt une semaine quand vous allez voir ça. Mais le problème, c'est que le serveur a fermé longtemps, en fait. Si vous êtes sur le serveur, vous voyez par... En fait, vous avez vu par vous-même. Mais le serveur a fermé genre 48 heures. Du coup, j'ai pas énormément de séquences, surtout que j'ai pas trop pépé de l'ouverture, etc. Mais bref, désolé, sa vidéo est un petit peu... Elle est pas non plus de moins bonne qualité, parce que j'ai beaucoup de pillages, j'ai fait quelques pépés, etc. Mais juste, ça sera beaucoup de séquences, mais très courtes. Donc du coup, j'ai 3 séquences de pillages, mais c'est des tout petits pillages, genre, qui durent 3 minutes. C'est quand même des gros pillages, il y a du P4, c'est un pillage de YouTuber, etc. Je sais pas c'est quoi mon titre, ça va être du PP ou du pillage, mais bref, en gros, c'est plein de petites séquences sur ma vidéo. Donc désolé pour celle-là, mais les prochaines vont être de meilleure, entre guillemets, qualité, ne vous inquiétez pas. Ensuite, comme d'hab, ben surtout en fait, bienvenue à tous les nouveaux qui regardent ma chaîne, qui est Ted Ben, québécois, qui fait plus du PVP, pillage et trapping. Que des trucs comme farming, déco, etc. Je suis plus un youtuber à la old school. Donc bienvenue à vous tous et pour tous ceux qui me connaissaient avant, comme d'habitude, je fais une petite présentation rémunérée. Du coup, bref, toutes les informations sont tout de suite après. Et à la fin du record, je vous montre la vidéo normale, quoi, le titre, la miniature, etc. Et deuxième chose, pour tous ceux qui me regardaient depuis longtemps aussi, vous savez que je fais des concours dans chacune de mes vidéos. Donc vraiment, on va faire un petit opening parce que j'ai quand même beaucoup de clés. Bon, je sais que je vais prendre un screen LMAO. Du coup, je vais ouvrir pour plusieurs de mes clés en mode hyper vitesse parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps dans l'intro. Donc je vais faire ça maintenant. Du coup, dans le clé event, on obtient 3 cocaïnes. Bon, c'est un petit peu nul. Dans la vote, 16 perles, mais c'est tellement naze les clés. Une petite magique, une pioche de merde. Dans la drogue, j'en veux pas de cette pioche là. Je vais garder 3 autres magiques pour des concours ou pour les autres vidéos. Et ensuite, une légende, une fifou. Dans la fifou, les gars, on peut avoir des spawners. Fait que je vais l'ouvrir et puis on va voir ce que je vais obtenir. Fuck, 2 pommes en pyro. Oh, je voulais des spawners, mais bon, pas grave, 2 pommes en pyro. Et puis pour la légendaire. Bon, en vrai, la légendaire, je vais la faire gagner en fait parce que je vais pas l'ouvrir. Je suis un petit peu sympa. Il y a vraiment des bons trucs que vous pouvez avoir. Du coup, pour participer, c'est pas compliqué. Premièrement, il faut liker, s'abonner et commenter. Bon, je vous reprends pendant que je fais le montage parce que les fichiers ont un peu été corrompus, du coup ben, le son est dégueulasse. Mais bref, en gros, pour participer en cours, c'est pas très compliqué. Faut liker, commenter, s'abonner comme j'ai dit. Mais pour le commentaire, il faudra écrire un message spécial. En gros, en plein milieu de la vidéo, je vais faire ça plus tard vers les 10 minutes environ. Il y aura une image qui va apparaître avec un son. Et du coup, en dessous de cette image-là, ça va être écrit, je sais pas moi, dans votre commentaire, écrivez une couleur par exemple. Du coup, pour participer au cours, vous devrez écrire dans les commentaires liker, s'abonner, en fait, ça, il faut le faire. Et dans les commentaires, vous écrirez une couleur au hasard. Du coup, ben, comme l'image va être écrite plus tard. Bref, je suis pas sûr si vous comprenez, mais en gros, voici un petit exemple maintenant. Cette image-là, en fait, elle va apparaître en plein milieu de la vidéo, avec bien sûr une autre chose qu'il faudra écrire en commentaire. Mais du coup, ben voilà, voilà l'exemple. Et puis, ben, si vous voulez vraiment participer, écoutez toute la vidéo. Comme ça, c'est juste les subs, les vrais subs qui vont participer, puis pas tous les randoms qui viennent juste écrire que je participe en commentaire. Bref, je vous laisse avec le vrai record. Et puis, c'était Kitia, je vais faire une petite présentation. Je vous reprends à la fin de la vidéo pour le pillage. Ciao, ciao, les jeunes. Re les mecs, on se retrouve sur Kataria. Bon, premièrement, je vais vraiment m'excuser. J'ai essayé de trouver des solutions en fait. J'ai des gros problèmes de freeze comme vous allez voir. Je vais essayer de couper à chaque fois que j'ai des freezes, comme ça va être moins dérangeant pour vous. Mais en gros, voilà, j'ai des gros problèmes de freeze, mais je sais pas d'où ça vient parce que dans mes options, j'ai mis ça au plus bas, j'ai tout changé, j'ai mis tous mes graphiques au plus bas et je vois pas d'où viennent mes freezes. Donc je suis désolé, mais Tostiban me dit qu'il y avait aucun autre youtuber qui a eu le problème des freezes. Donc ben ça vient juste de moi. Bref, je vais prendre un serveur. En gros, comme sur tous les serveurs, il y a des nouveaux minerais. Le turquoise, c'est le meilleur minerai. Ces 4 trucs-là, c'est littéralement comme partout sur tous les serveurs. Il y a des échelles en fer, je pense, pour monter plus vite. Des random ore, des minerais d'XP. Et ça, c'est un coffre en minerai. Du coup, en ce moment, il n'est pas encore mis sur le serveur, mais ça va juste être un coffre, un double coffre dans un seul coffre, en fait, comme il y a un petit peu partout. En gros, il y aura un event sur serveur. Il y aura un shop spécial qui va arriver. Et le shop spécial, en fait, on pourra vendre plein d'items, comme par exemple, genre, je sais pas moi, des melons, je sais pas quoi, des items de farm. Tout le monde va vendre des items là-dedans. Et la faction qui aura vendu le plus d'items, genre le plus de points, en gros, dans le shop, va gagner un item oiseau dans tous les items légendaires. Dans les items légendaires, il y a le full stuff qui donne 17 potions, l'épée et puis la pioche qui donne As2. Puis ensuite, il y a 3 items qui c'est pas des items légendaires, c'est juste des items en turquoise. Du coup, une multi-tool, une espèce de sabre, on peut dire, et puis l'âge de combat. Mais si en soi, c'est pas des items légendaires, le stuff en turquoise, c'est juste que le turquoise c'est rare sur le serveur. Ensuite, pour les pillages, c'est pas compliqué. Il y a le bloc anti-crash wheel qui se pète en 2 coups. Ça, c'est un espèce de bloc de pouce, on peut dire, un bloc anti-piston qui se pète en 2 coups. Il y a l'opsy qui se pète en 4 coups. Et puis, il y a l'opsy amélioré. Il y a 2 moyens d'avoir ça. Premièrement, on peut faire fondre de l'opsy, ça donne des lingots d'opsy, avec 9 lingots, on a une opsy renfort. Ou sinon, on a un item
il s'appelle l'améliorateur d'obsidienne. En gros, quand tu fais clic droit sur un mur, ben ça transforme genre 10x10, je pense, le mur, tout en ancien obsi. Pas ancien obsi, je veux dire, en obsi renfo. Du coup, ben ça, c'est pas anti-crash coup, mais c'est vraiment, ça prend 10 coups à faire péter. Du coup, pour vos défenses de base, ben c'est parfait. Ensuite, on enchaîne avec ça, c'est comme des sortes de gemmes. En gros, ça, ça se met sur de l'armure, en fait. Ça va être très difficile à craft. Admettons, tu mets ça sur un plastron de quartz, ça dit j'ai pas assez de niveau, mais tu pourras juste mettre un améliorateur de speed, et du coup, avec ce plastron-là, à chaque fois que je vais l'avoir, j'aurai H24 speed 2, peu importe le temps, j'aurai à l'infini, en fait. Ensuite, on enchaîne avec la chicha, ça, c'est pas compliqué, en fait, c'est un système pour mettre ses effets de potion plus longtemps. Donc, en gros, quand tu fais clic droit, ça te consomme le truc que t'as, genre, il y a deux, un goût pomme et un goût normal. Ou sinon, tu fais sneak clic droit, ça change, comme là, si je veux consommer le goût pomme pour avoir fire resist, tu fais un clic droit avec en PVP, et puis du coup, ça donne 5 minutes d'effet de potion au lieu d'avoir genre le nouveau type de bouffe ou les effets de potion. Bon, ici, pareil que dans l'intro, je sais pas pourquoi, mais le vocal de mes fichiers, certains fichiers ont été corrompus. Du coup, en gros, le système vous explique qu'on peut faire spawn un golem de turquoise qui est le meilleur minerai du serveur, et ensuite en les tuant, ça va donner une graine de turquoise, et ça, on peut le planter, et en gros, c'est que ça va donner des minerais de turquoise quoi, qu'on va éliminer, donc c'est pas plus compliqué. Et ici, petit ajout, c'est sympa, en gros, il y a des crochets sur le serveur pour crocheter une porte, ça ici, c'est dans des climbs, mais si je veux crocheter la porte, je fais clic droit, et puis c'est bon, ça va crocheter. Aussi, il y a des serrures, on peut dire, et puis du coup, il y a certains items qu'on peut pas crocheter si vous mettez une serrure dessus. Pour le reste, on se dépêche. En gros, il y a un stuff flash. Ça, c'est un stuff surtout pour chercher les bases et tout. Ça donne speed, anti-fall et vision nocturne. Et une particularité du stuff, c'est vraiment quand tu te promènes en sneak, en fait, tu peux courir en sneak. Alors là, par exemple, je commence à courir sur le serveur. Là, je suis en sneak et les gens vont me voir courir, en fait. Donc, du coup, pour chercher des bases ou juste pour infiltrer une base, je sais pas quoi, mais tu peux te promener en sneak sans aucun problème. En gros, si on trouve un silverfish dans la nature, parce que pour l'instant, le seul combat qu'on peut avoir, c'est un silverfish, si on fait clic droit avec l'os de compagnon, qui se craft avec des fleurs, un os normal, mais ensuite, on fait slash compagnon. Ça va spawn notre silverfish qu'on aura capturé, et puis du coup, il va miner les chunks. Donc, tous les chunks que tu sauras pendant 3 minutes, il va les miner. Du coup, ben là, justement, il est en train de miner les chunks. Désolé, c'est Jack encore une fois, mais il va tout miner le chunk. Puis quand il est rendu à la bedrock, ben il va juste arrêter de miner, et puis il va mourir au bout de 3 minutes. Ah, ouais, d'ailleurs, ils m'ont dit qu'il allait rajouter plus tard d'autres compagnons, mais pour l'instant, c'est le seul compagnon qui est sur le serveur. Mais bon, il est très utile, puis franchement, j'ai jamais vu ça ailleurs, donc GG à eux. Et ensuite, juste 2-3 ajouts assez sympas. Il y a le Sachef Rank Up. Ça, c'est une commande pour Rank Up. En fait, c'est des objectifs de faction. Du coup, ben il y a une récompense que ça donne, et il y a un prix pour la faire. En fait, comme par exemple, si c'est miné 5000 blocs, puis toute la faction peut miner 5000 blocs, puis ensuite la récompense c'est d'avoir plus 3 places dans sa faction, etc. Ici, juste par exemple, faut kill. Faut kill 5 personnes, puis qu'on gagne 30 000 $, etc. Il y a aussi le Sachef Bank, ça c'est une petite commande assez sympa, qui fait pendant par exemple, c'est des trucs qui s'achètent avec toute l'argent de la faction. Et puis du coup, ça par exemple, ça donne 10 effets pendant 24 heures dans nos chunks. Donc si on se fait assaut H24, ben vous activez ça, ça coûte 85 000 $, et puis tout le monde va pouvoir présenter le serveur. Qu'est-ce que je dis? Tout le monde de votre fac auront des effets de potion pour défendre votre base. Je sais pas ce qu'ils font, mais les deux me regardent. Mais dernière chose que j'avais oublié de vous dire dans l'intro, c'est pour compliquer, le serveur va ouvrir samedi à 15h FR, du coup samedi le 5. J'espère que vous serez à l'ouverture. Personnellement, je vais sûrement passer juste pour voir comment le serveur se passe, mais je vais pas jouer sur le serveur, je vais continuer. De toute façon, je vous ai déjà expliqué ça. Bref, il y a certaines choses que je n'ai pas présentées, comme par exemple le système de kite, parce que j'ai pas tout le temps, mais en gros, voilà, il y aura d'autres choses aussi sur le serveur que j'ai pas présentées. J'espère que vous serez à l'ouverture samedi 15h FR. Moi, je vous laisse avec la vraie vidéo. C'était KidCat, et puis ciao ciao les jeunes. Wesh, c'est moi, c'est KidCat. On se retrouve pour un petit pillage Huntlaim. On va se dépêcher à piller la base parce que j'ai une voir juste ici en fait qu'il y a. Oh non, c'est Bulldo, je pensais que c'était Builo en fait. Bon, en gros, une petite voir Huntlaim que mon. Ça va avec Sweet, mais du coup, est-ce que t'as l'épisode déjà? Appelle tous, Beto, Bulldozer, Bétonnière. Mais lui, c'est un youtubeur, Pelteuse. Non, c'est vrai que Topel, c'est un youtubeur, lui, je sais. Ouais, bah c'est eux, hein. J'ai ouvert le C, gros, j'ai vu que c'était un coffre. Bref, on va ouvrir ça, c'est un petit pire game que Will, un membre de faction, a trouvé. Du coup, attends, il y a même un deuxième étage, c'est quoi ça? Ok, ça, c'est une petite farm. Il y a un buisson, regarde derrière toi, il y a un buisson. Il y a un boss en bas. Où ça? Là-bas, là, au-dessus, là, rien. Mais ça, on peut. Mais ils ont pas mis de lumière, genre. Oui, ça, on va le voler. Mais je vais le voler. Allez, merde, tu Mais attends, on va déjà aller ouvrir les coffres, voir si c'est un bon piège. Surtout, il s'est tombé, c'est pas inclus. Soit c'est tombé, j'avais aucun record sur le serveur, donc on va voir ça directement. Qu'est-ce que c'est comme putain? Donc, let's go, on va commencer ici. Bon, ici pour l'instant, de la merde. Ah, ben, quand il y a quelques livres P1 et tout. Je sais pas où t'es, cousin. Attends. Ben, je suis juste à côté, je suis en Navy. Du coup, ça, c'est un petit peu de la merde. Ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup de coffres à porter. Oh putain, il y a un stack chaque patate, mec. Ça peut être ouais, bien. Ouais, il y a un stack chaque patate. Ouais, ça, là, c'est du Pikachu 3 en Opal. Il y a beaucoup de. Je pense qu'il y a beaucoup de clivots, attends, mais il y a pas mal de Pikachu 3 en Opal. Bon, des pioches vite fait en chante, hein, j'imagine qu'il est en... c'est des fils en chante, ça. Ici, un peu nul, ouais, ok. Ah, et ben, il y a quand même des bottes pyrosites que je prendrais bien, moi, même si on m'a l'enchante. Kiket, t'as regardé le coffre là, ici, avec toutes les pioches? Non, puis j'ouvrirai après. Mais ça, en fait, ma femme m'a dit que c'était un bon pillage, du coup, j'ai voulu me TP pour faire un petit record. Parce que sur le serveur, en fait, le nombre de fois que le serveur a été fermé, j'ai pas eu le temps de recorder grand chose. Mais du coup, ça, je vous ai sûrement expliqué ça dans l'intro, qui c'est des gobelets. De toute façon, ça peut être bien. Ah, mec, trois lignes de pouce, ça peut être bien, ça.
Ouais. Ici, ouais, un peu nul encore une fois, mais j'ai celui des coffres privés. C'est intéressant là. C'est ça, les coffres privés, j'espère que ça va être plus intéressant. Bah, j'imagine, c'est plus intéressant. Ça, ici, et... okay, ouais, ici, Mass P3. Les gars, vous voulez pas bah, attends, mec, Mass P3, ouais, là, y'a même pas Mass P3 là. Bah, 2, 3, 4, 5, l'IP3, genre. Ici, c'est un peu nul. Bah, attends. Bilo de Facebook, ouais. Looting 2, c'est pas dit aussi. P4, Infinity 1. Ah, ok, là, y'a plus de livres. Et c'est vraiment plus intéressant là déjà. Mais là, c'est intéressant. Les meilleurs livres, ils sont ici. Les meilleurs livres, ils sont ici. Bah, je venais à la fin, hein. Meilleur pour la fin, derrière. Les deux coffres-là, ils sont intéressants. Les deux coffres-là, ah, ici aussi, c'est bien. Pelters. Quoi, les meilleurs? Ah, y'a une ligne de P1. Ça, ouais, mais ça, c'est nul aussi. Il est. Bah, y'a du P1 et P3. Ah, P4-3, y'a un P4-3 en pyro, je viens de voir. P3, U3, P3. Ouais, c'est des ok, y'a des bonnes pioches, parfait, les pioches. Ouais, faut le P3, U3, faut respecter. Ok, ouais, c'est des bons coffres, ça, c'est des bons coffres. Ouais, c'est des bons coffres. Et si y'a un petit peu dans le coin, ok, nul. Ah, c'est nul, y'a rien. Des ingrédients de poisson. J'aurais mis tout, j'aurais pas. Ici, na, ok, bah y'a quand même des pioches et tout. Puis en bas, t'arrêtes pas de dire que c'est bon, Zigom. Oh, mais ça, c'est nul aussi, les autres coffres sont mieux, hein. Y'a juste 7 livres. Ouais, bah oui. Puis ici, voilà, vite fait. Attends, y'a quoi qu'ici, c'est littéralement vide en fait. Ah non, ici, quelques tables d'enchant, vite fait. Ouais, T3, P2. Et c'est tout en fait. Bon, bah, hein, parfait, petit pierre, mais du coup, c'est la base à qui bon. Bah, je sais que. Bah, monsieur... y'a Tractopel. En fait, Tractopel, c'est un youtuber, non? Cette base, je la connais. Pelteuse, bulldozer et bétonnière. Non, mais en fait, c'est la base à Tractopel. En fait, c'est un modérateur sur Kryptonier. C'est la base à tout le staff de Kryptonier, en gros. Ice Wits. Bon, bah, les mecs, du coup, bah, y'a rien d'autre à vous montrer en fait. Parce que ça sert à rien que je vous montre quand on déménage les stuff et tout. C'est inutile, mais du coup, c'est quand même un bon petit piège. Surtout qu'il y a des youtubers en faction et tout. Donc, je vais faire un beau titre. Non putaclic, mais très exagéré pour faire plus de vues, plus d'argent, etc. Bref, de toute façon, ça sert à rien que je vous montre tout le reste du déménagement de stuff et du partage. Donc, je vais essayer avec un autre petit record. C'était Kit4. Ciao, ciao, les jeunes. Donc les mecs, on se retrouve pour un autre pillage. Du coup, cette vidéo-là sera sûrement juste masse pillage de un après l'autre parce que eux, en fait, ma faction ont trouvé la base. Ils ont pillé vite fait du P4 parce qu'il y avait des gens derrière. C'est la base de qui ça, FMAP? C'est qui la base K2A. Et c'est qui? Ok, putain, mais ils sont 7 de coup. Ils pourraient tellement une. Ouais, mais en fait, Kit4, regarde. Là, en fait, il y a les coffres P4 là. Okay. Là, il y a le coffre P4, je crois qu'ils ont du P4. Non, mais là-dedans. ils ont bougé ici. Oh, ça, c'est pas... ouais, mais, de toute façon, c'est impossible de rentrer là-dedans. Ça n'était pas autorisé de crash court. Donc. Aïe, elle ferme là. Voilà. Elle est tout dans le coffre, elle est tout voilà. C'est bon, c'est bon. Saute à ça marche. Théoriquement, voilà. Bon, il y a trop, il y a des livres trop. Ouais, j'ai trop livres trop là. 4, ah non, quand même. Masse de trucs là. Masse de trucs là. J'ai tout FI5 et tout. Ah, oh, je peux en avoir une là. C'est bon, t'as fait 4 ambres. Non, moi je suis en P2 lol. Ah, j'ai plus de bombes moi donc c'est quelqu'un. Bah, moi j'en ai, hein. je démarre avec quelqu'un. J'en ai. C'est bien ce truc là, c'est bien ça. Mais je peux pas se changer. Moi je suis tangué les grosses merdes. Merde. Non, en fait, oui, le monde sur le côté. C'est bon. Ouais. Putain, mais ici c'était full. Oh! Ah, mais j'ai réussi à bloquer trop ça. Oh, j'ai récupéré le plastron, mais j'ai eu que de la merde, hein. Fait que je sais pas si vous avez récupéré des bombes. Ah, j'ai un plastron que j'ai trop au poil. Oh, j'ai récupéré une bombe. Ah, yes, vide. Y'avait rien. Ah, du coup. Y'avait masse P4, putain. C'est pour ça que je dis, c'est trop en fait, c'est juste des coffres centrés en fait. Bah, je pense qu'il y avait juste les coffres à gauche qui avaient du stuff. À droite, y'a pas rien d'avoir. Du coup, c'est déjà fini, vous avez. Ouais, mais est-ce que... hein, moi je trouve elle est belle leur base. Craft, est-ce que tout est dans ta BP, tout ce que tu récup? Numéro de carte de crédit. Easy. Comment il s'est du P4? Ouais, mais mec, vous avez été bien en fait. Un petit pillage tranquille. Moi j'ai des bottes de gâche trop au pôle. Bon, bref, les mecs, je vous laisse avec un autre petit pillage. Ciao ciao.